Chris Bonamour, auteur, compositeur, interprète. J'ai toujours rêvé de chanter, je le fais maintenant, après tant d'années d'attente. Et j'essaye d'apporter un petit peu de bonheur et de joie de vivre. Voilà, c'est simplement mon but dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et ça fait un bien fou d'apporter un petit peu de bonheur. La musique est une issue parce que quelle que soit la langue, quel que soit l'endroit où on est, la musique rassemble et c'est des énergies positives et on ressent et on se sent bien. Donc on essaye de donner ça à tout le monde. Joie et décalage. Alors, cette envie de, quand même de toujours avoir le petit clin d'œil, le petit humour. Ah oui, tout le temps, parce que c'est une manière de voir la vie, c'est une philosophie. D'ailleurs, c'est la nouvelle chanson que je suis en train d'écrire et qui s'appelle Optimiste. L'album qui va sortir d'ailleurs s'appellera Optimiste. C'est uniquement ça, un petit décalage entre la réalité et puis le fait qu'il faut voir la vie d'une manière joyeuse, optimiste et quoi qu'elle arrive, il peut arriver n'importe quoi. On a la joie de vivre et que c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, Chris, tu es au Salago en chanson. Oui. Parce que, comme on va le voir sur quelques images, tu as choisi de faire un clip en live. Le Salago en chanson, parce que j'ai découvert Alexandra il y a quelques années, Alexandra Boca di Fuoco. Et de fil en aiguille, on a parlé de la musique, justement, qui rassemble. Et elle me dit, tu sais, si un jour ça te fait plaisir de faire un clip sur scène, parce que c'était mon envie, c'est moi qui lui en ai parlé, elle m'a dit, j'accepte volontiers que tu viennes sur la scène du Salagou. Vous l'avez vu, s'appelle « Je veux du réel » parce que c'était un petit peu l'histoire de la société d'aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, on est sur le virtuel, on est photoshopé, on se like, mais on se voit jamais. Et je trouve que la vraie vie, c'est de se rencontrer, c'est de se toucher. Moi, j'adore palper les gens. C'est comme ça, ça fait du bien. Et voilà, je trouve qu'on a envie. Donc, l'histoire de cette chanson, c'est ça. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille sur les réseaux sociaux. Et puis, malheureusement, le jour où il la voit, ben, c'est pas tout à fait ça parce qu'elle est un peu photoshopée sur les réseaux sociaux. Elle ressemble pas du tout à ça. Donc, il est un petit peu déçu. Et à la fin, il dit, moi, je veux plus de réel, je veux que du virtuel. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pour encourager, malgré tout, le réel. Les plus grandes créations culturelles se sont faites justement dans des temps difficiles, des temps de guerre. Donc il n'y a pas d'argent. Oui. Donc du coup ça revient un petit peu sur le rôle des artistes dans cette société de transition amplifiée par le Covid. Absolument. Et quel est ta... Voilà, donc des messages pour toi positifs, décalés. C'est justement quand tout va mal que nous les artistes, on doit intervenir encore plus. Pour dire, on est là, on se rassemble, on chante, on danse et on va s'en sortir. On est là pour permettre de patienter. Justement, c'est quand tout va mal qu'on prend tout notre essence et notre propre rôle. On est là pour ça, pour apporter du bonheur, justement dans cette période-là. J'espère que quand cette période sera finie, on sera toujours là aussi, au contraire. Bon, dernière petite question. Oui. La question magique. Oui. Si tu avais un objet magique, une baguette magique, j'ai envie de dire un vœu à faire pour toi et un vœu à faire pour l'humanité ou la planète, qu'est-ce qu'il serait ? Alors ça serait qu'on se respecte tous, qu'on s'aime tous et qu'on soit vraiment bienveillants les uns envers les autres. Et du coup tout ira bien. L'amour est plus fort que toutes les... Que l'adversité vous apprenne à être bienveillant en fait. Absolument. Il faut, c'est le message qu'il faut véhiculer à tout prix. Parce que j'y crois du plus profond de mon cœur. Merci Chris Bonamour. Avec plaisir. Et à très vite sur les réseaux. Avec plaisir, à bientôt. Je veux du réel, pas du virtuel, du sensationnel, de l'intemporel. Découvrir